Si vous êtes à la recherche du meilleur rétroéclairage TV, mais que vous ne savez pas lequel choisir, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo puisque vous allez découvrir ici le top 3 comparatif du moins cher au plus onéreux. Donc n'oubliez pas de cliquer sur les liens dans la description pour trouver tous les détails et le prix de chaque produit présenté. Allez, c'est parti. Donc commençons par le moins cher avec la barre LED Goovy RGBIC. Donc celle-ci vous offre un contrôle complet à distance puisque vous allez pouvoir utiliser l'application Goovy Home pour gérer les lumières et les modes de scène, le tout depuis votre téléphone. Donc forcément, elle vous offre des effets lumineux personnalisables puisque vous allez pouvoir profiter d'effets RGBIC et d'une rotation à 90 degrés pour étendre les effets lumineux. Vous pouvez également la contrôler de manière vocale puisqu'elle est compatible avec Alexa et Google Assistant pour un contrôle main libre des lumières. Vous avez en plus de ça 8 modes musicaux pardon, pour synchroniser les lumières avec la musique et ainsi créer une ambiance festive. Donc, le plus important, l'installation. Elle est facile puisque vous avez plusieurs options de placement avec fixation pour montage derrière ou à côté de la télé ou tout simplement une installation horizontale sans fixation. Donc forcément, cette barre LED est bien notée avec une moyenne de 4,5 sur 5 sur plus de 135 avis clients différents. Donc si elle vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. Passons maintenant au meilleur rapport qualité-prix avec le Goovy RGBIC TV Backlight 3 Lite. Donc on a ici une technologie plus avancée avec une puce améliorée avec correction fisheye pour une correspondance des couleurs précises le long des bords de l'écran. Donc l'installation est simplifiée, on a un design de suspension gravitationnelle pour une installation stable de la caméra sur des téléviseurs même s'ils sont ultra fins. On a un éclairage qui est plutôt vibrant, c'est-à-dire qu'on a des perles de lampe 4 en 1 pour avoir un blanc pur et un éclairage plus naturel, histoire d'améliorer l'expérience de visionnage. Donc on a une compatibilité universelle puisqu'elle capture de manière instantanée des couleurs de tout contenu TV, donc c'est aussi bien adapté aux vidéos qu'aux jeux ou même aux diffusions en ligne. Donc elle vous offre une synchronisation immersive avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 7 sous-appareils pour une expérience d'éclairage à 360 degrés. Et au niveau du contrôle, c'est très simple. Vous pouvez gérer toutes ces lumières via l'application Goovy Home ou tout simplement par commande vocale en utilisant Alexa ou Google Assistant. Donc forcément, ce rétroéclairage est bien noté avec une moyenne de 4,2 sur 5 sur plus de 789 avis clients différents. Donc si elle vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. Et enfin pour terminer, on va passer au meilleur premium avec le Goovy T2 InVisual avec double caméra. Donc comme le nom l'indique, on a ici une conception à double caméra qui vous offre une capture précise du contenu de la télé avec une installation facile sur les téléviseurs ultra fins grâce à la structure de montage par gravité. Alors cette fois-ci, on a la technologie InVisual, donc ça vous permet d'avoir une correspondance des couleurs en temps réel pour élargir l'expérience visuelle au-delà de l'écran, de quoi améliorer votre divertissement. Évidemment, vous allez pouvoir faire des réglages personnalisés, donc vous allez pouvoir ajuster manuellement la balance des plans via l'application Goovy Home, tout simplement pour avoir des couleurs encore plus précises et qui vont convenir mieux. Alors au niveau de l'éclairage RGBIC, on a des perles de lumière plus denses pour un éclairage plus vif avec plusieurs modes scène et deux modes vidéo pour enrichir les films, mais également les jeux vidéo par exemple. Et là encore, on a le fameux mode musique avec une synchronisation du rétroéclairage avec la musique via un micro qui est intégré avec quatre modes pour créer une ambiance dynamique. Donc forcément, ce rétroéclairage est bien noté avec une moyenne de 4,3 sur 5 sur plus de 498 avis clients différents. Donc s'il vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine sur TipTop. Ciao!